Je m'appelle Claire, je suis développeuse à Sogilis depuis 2 ans. Chez nous, le recrutement est plutôt alternatif. Tu rencontreras directement tes futurs collègues. Il y a peu d'étapes, mais ça peut prendre un peu de temps car on est bavard. L'humain. Ce qui est important, c'est ta capacité à travailler ensemble. Les compétences, ça se développe tout au long de ton parcours. Nous, ce qu'on cherche, c'est de l'expérience et de la passion. On a des profils très différents. Regardez-moi par exemple. Hier, j'étais infirmière. Désormais, je suis développeuse. Et là, aujourd'hui, je fais même des vidéos. Pendant le second entretien, on fera une mise en situation, donc ce qu'on appelle un kata, en TDD et en binôme. On regardera la capacité que tu as à travailler avec l'autre et aussi à t'adapter à la situation. Et bien entendu, ton niveau de langage. On est acteur de la vie de l'entreprise. On est une équipe collaborative et on a de la chance de faire du recrutement, de l'avant-vente et de la formation. Un petit peu des deux. On a la chance de travailler avec des collègues qui ont de l'expérience et une certaine expertise. Donc dans un premier temps, on se forme et si un sujet nous plaît et on est à l'aise dessus, on devient formateur. Ça dépendra de toi, de nous, de l'équipe. Toute l'équipe peut donner son avis. Si tout le monde est OK, tu rencontreras Laurent, notre DG, pour terminer le processus. Nous, on est une PME. Tu seras acteur de l'entreprise et tu auras une team derrière toi. C'est que le début !